Aujourd'hui, on va montrer le projet Bota Robota, qui en basque, vous pourrez vouloir dire robot pour ouvrir. Donc c'est un robot qui est doté d'un bras et d'une caméra et qui est capable d'ouvrir une porte pour rentrer dans une pièce. L'objectif, c'est un projet qui s'est développé au moment du début de la pandémie Covid, dans lequel il y avait une très forte suspicion de que la transmission du virus se fasse par le contact avec les surfaces. Et du coup, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont développé des robots avec des lumières ultraviolettes pour venir tuer le virus sur les surfaces. Sauf que ces robots, habituellement, sont utilisés dans des usines, dans des hôpitaux qui sont déjà automatisés. Donc les portes s'ouvrent toutes seules, les ascenseurs s'ouvrent toutes seules. Et donc, dans le contexte de la pandémie, le déploiement de ces robots dans des bureaux, dans des maisons de retraite, dans des endroits non préparés, eh bien, c'est une complication. Donc l'objectif de Bota Robota, c'est de faire une preuve de concept pour lequel, en rajoutant un bras robotique avec des caméras à ces robots de désinfection, on va être capable de les doter d'une autonomie plus importante pour qu'ils puissent rentrer dans ces pièces tout seuls et venir faire la désinfection sans avoir besoin d'une personne à côté qui soit obligée de l'ouvrir et lui fermer les portes. Donc dans le projet Bota Robota, ce qu'on a réussi à développer avec les différents partenaires, donc Tecnalia en Espagne et l'Université du Pays Basque, UPV et HEU, à San Sébastien également, c'est un robot dans lequel on est capable de lui apprendre la trajectoire d'ouverture de la porte, puisque toutes les portes sont différentes, dans lequel il est doté également d'une caméra qui lui permet de détecter la poignée. Et ensuite, en combinant les deux, plus la mobilité du robot mobile, de venir se déplacer dans les pièces, détecter où est la porte, détecter la poignée et récupérer ce geste qu'on lui a appris d'ouverture de la porte pour pouvoir rentrer dans la pièce. Et donc c'est ce qu'on va démontrer tout à l'heure avec le robot. Bueno, ba, Euskal Pusen ekarpena proiektu honetan eta bestetan ere bai pentsatzen dut da uztartzea bai zentro teknologikotan eta bai eta unibertsitatean egiten duguna, ba, alde batetik plazaratzeko bion arteko simbiosi bat eginez lortu dugun helburu bat dela robot bat erabiltzea ateak irikitzeko, ba, unibertsitateak bere jakindurea aportatu du ikusmenean batez ere, eta Tecnaliak aportatu du roboten jakinduria. Kolaborazioa sortu zen orain dela urte dexente, ba, Tecnaliaren astapenean eta unibertsitateen arteko, gure taldeen arteko harremanak sortu ziren, bai gradu amaierako lanak, bai tesiak zuzentzeko, eta horri esker lortzen dugu ba, aman komunean sortzen diren proiektu batzuk plazaratzea ba, bien jakinduriak uztartuz. Eta horrela lortzen dugu, ba, unibertsitatean gehiago egiten dugu ikerkuntza oinarrizkoa eta zentro teknologikoetan egiten dute gehiago aplikatua, eta orduan biak lortzen ditugu gauza berriak plazaratzeko. Ba, proiektu hau etorkizunean, ba, erresa badirudi ere, robot batek atea irikitzea ez da bat ere triviala. Orduan, lortu duguna, nahi dugu enpresa batzuetan aurkeztu, ikusteko egin dugun garapen honekin robotak gai izan daitezke ba, desinfektatzeko, pandemia honetan edo zen beste arazo baten aurrean, beraiek modu autonomoan desinfektatzeko supermerkatuak, enpresak, ofizinak eta toki batzuk non normalean ez dauden prestatuta horretarako. Ospital batean ere bai, baina segurazki ospitaletan badaukate soluzio bat horretarako.